Et surtout la santé, parce que c'est quand même le plus important, la santé, hein, surtout en cette période avec la gastro, la grippe, spéciale dédicace à tous les docteurs, hein, ne serait-ce que le docteur tactile, le docteur Alban, le docteur Mario, le docteur qui nous concocte des jolis sommaires avec des critiques flash de Prince of Persia, quand même en HD, avec Katsuka, avec la doctoresse Suzuka pour le Tokyo Café, et tout de suite le docteur News, hein, quand même, parce qu'on se sent tous un petit peu patraque. Konami a annoncé récemment deux nouveaux contenus téléchargeables, Castlevania Lords of Shadow, proposant de nouvelles zones de jeu, de nouveaux monstres, mais aussi de nouvelles révélations. Dans l'épisode intitulé Rêverie, les joueurs retourneront dans le château pour aider Laura, l'ancienne servante de Carmilla, à détruire l'indomptable mal auparavant retenu par la défunte reine. L'épisode Résurrection, quant à lui, prolonge l'histoire et donne plus d'informations sur l'ultime destin de notre héros. Ces deux add-ons seront respectivement disponibles en février puis en avril et ne manqueront pas de satisfaire ceux qui souhaitent se replonger dans les aventures de Gabriel. À l'image de Marvelous qui s'est légèrement émancipé d'Harvest Moon avec Rune Factory, voici que les Sims débarquent au Moyen-Âge. Electronic Arts ne perd pas son temps et annonce une édition limitée en précommande depuis le mois dernier. Cette version offrira du contenu supplémentaire, dont deux séries de tenues. Une série souverain où l'on joue les rois et les reines, et l'une tout aussi pittoresque, sobrement intitulée Bourreau, dont on vous laisse imaginer la prestation. L'édition collector permettra également aux joueurs d'accéder à trois salles du trône supplémentaires, barbare, magie noire et princesse. Sims médiéval est certes un dérivé de la série originelle, mais est présenté comme un jeu à part entière, les mécaniques de jeu ayant été revues. Ainsi, ces pérégrinations médiévales s'articuleront autour de trois systèmes, les points de royaume, les héros et les quêtes. Pour le coup, l'expérience de jeu ne se basera pas uniquement sur la simulation de vie. On ne vieillit pas et les enfants hypothétiques restent enfants. EA a donc préféré s'attarder sur le développement du royaume, qui constitue ici le personnage central du titre. La sortie des Sims médiévales est prévue pour le mois de mars, sur PC et Mac exclusivement. Your heroes. Your quests. Your kingdom. The Sims Medieval. Le septième jeu sur console issu de la licence Suzumiya Haruhi devrait voir le jour au Japon le 24 mars sur PS3 et PSP. Intitulé Suzumiya Haruhi no Tsuiso, les réminiscences de Suzumiya Haruhi, le jeu devrait se dérouler dans le monde parallèle décrit dans le film La disparition de Suzumiya Haruhi. La brigade SOS n'existe pas et l'on pourra suivre tous les personnages de la série, dont Kion, qui doit préparer le festival de l'école. Vu d'ici, les graphismes ont l'air plutôt alléchants et une connectivité entre les versions PSP et PS3 est prévue. Cependant, il n'y a quasiment aucune chance que le titre sorte un jour en France. Pour prolonger un peu ce feeling de fête de fin d'année et parce que nous n'avions pas pu diffuser cette vidéo avant les vacances, on termine ces news avec Noël, vu par les lapins crétins. On aimerait juste qu'à l'avenir, cette série principalement constituée de party games soit aussi soignée que ses vidéos promotionnelles. Non, parce que les petits clips sympas, c'est cool, mais au bout d'un moment, il faut aussi penser à nous sortir de bons jeux. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de mon prince Albert, mais non, ce n'est pas ça le thème de la critique flash. C'est bien Prince of Persia qui arrive en HD, la trilogie. On va enfin pouvoir tous se les faire. Moi, j'ai pas commencé le premier. On va regarder la critique, c'est peut-être un jeu intéressant, qui sera bien à jouer. Plusieurs éditeurs ont bien senti l'intérêt commercial de la HD. Des jeux particulièrement appréciés des gamers se voient ainsi remakés en haute définition afin de se voir offrir une seconde jeunesse et une seconde vie en rayon, que ces derniers soient réels ou virtuels. Le Xbox Live Arcade a ainsi accueilli de nombreux classiques revisités, tels que Doom, les Monkey Island, Rez bien sûr, ou encore Final Fight, et ce malgré les récentes critiques de Phil Spencer.
Le responsable de Microsoft Game Studio a ainsi émis des doutes fin 2010 quant à l'intérêt de ce phénomène qui tend à se développer plus vite sur la PS3 et le PlayStation Network. God of War 1 et 2, Sly Raccoon, la trilogie des Sables du Temps, ainsi que prochainement les très attendus Ico et Shadow of the Colossus, tous ces remakes HD sont des exclusivités Sony. Particulièrement au taquet dans le domaine, Ubisoft a sorti ses trois premiers Prince of Persia et a déjà annoncé pour 2011 les trois premiers Splinter Cell ainsi que Beyond Good and Evil. Mais d'autres éditeurs s'apprêtent à suivre le mouvement, comme Square Enix par exemple, qui pourrait sortir des versions remasterisées des trois derniers Tomb Raider pour le PSN. En attendant, pour 40€ environ, vous pouvez mettre la main sur Prince of Persia Les Sables du Temps et ses deux suites, L'Âme du Guerrier ainsi que Les Deux Royaumes. Ils sont accessibles au choix en téléchargement via le PSN ou en boîte. Notez d'ailleurs que si les images que vous voyez à l'écran sont en 4 tiers, les jeux sont bel et bien jouables en 16/9 sur une TV HD. Mais commençons par resituer un peu cette trilogie. Le premier volet est sorti fin 2003 sur PS2, Xbox et GameCube. Il a été développé au sein des studios d'Ubisoft Montréal par Patrice Desilets, futur créateur de la série Assassin's Creed, depuis parti chez THQ. Yanis Mala, son producteur, s'était associé pour l'occasion avec le créateur originel de la licence, Jordan Mechner, qui signa le scénario du jeu et assura le rôle d'ambassadeur. Marquant pour l'époque, ce Prince of Persia possède pour mécanique de jeu centrale le fameux Rewind, qui permet de revenir quelques secondes en arrière dans le temps, histoire d'effacer un faux pas. Très orienté plateforme, avec les désormais classiques courses murales, les Sables du Temps avaient su respecter l'esprit de Prince of Persia originel, en proposant des animations et un level design de grande qualité. L'action n'en est pas pour autant oubliée, avec des combats dynamiques permettant de faire de multiples acrobaties pour se défaire des zombies ensablés. Ce titre a non seulement relancé la licence Prince of Persia, mais a également imposé médiatiquement les studios d'Ubisoft Montréal, qui avaient sorti l'année précédente un certain Splinter Cell sur Xbox. Résultat, une suite fut rapidement mise en chantier avec L'Âme du Guerrier, qui sort fin 2004. Cédant à la tendance du moment, ce dernier était nettement plus noir. Le jeune prince plein d'humour laisse ainsi place à un personnage plus noir, tatoué et encapuché tout de cuir vêtu, poursuivi par une entité démoniaque, le Daaka. À l'image du personnage, la direction artistique vire au gothique en proposant d'explorer des environnements inquiétants, peuplés de créatures torturées. Plus violent, les combats sont également mis en avant sur fond de musique hard rock avec un système de combos plus riche et des interactions plus poussées avec les ennemis et l'environnement. Mais la sauce ne prend pas. L'abandon du contexte Mille et une nuits ne fait pas l'unanimité et on reproche à cette suite de renier l'identité Prince of Persia. Résultat, lorsque Les Deux Royaumes, troisième et dernier volet de la trilogie des Sables du Temps, sort en 2005, Ubisoft revoit une nouvelle fois sa copie. Les combats sont mis en retrait et leur violence nettement atténuée. Les décapitations et autres strangulations disparaissent au profit d'un système un peu plus infiltration à base d'élimination rapide. De nouveaux mouvements acrobatiques font du coup leur apparition, comme la possibilité de tenir en équilibre entre deux parois, un peu à la manière de Splinter Cell. Ces trois jeux sont très bons et ont marqué de nombreux joueurs tout en donnant lieu à de multiples débats. Leur retour en version HD 720p est donc une bonne chose en soi. Même si entre-temps, deux autres Prince of Persia sont sortis en HD, l'un en cel-shading et l'autre pour accompagner la sortie du film. Ce dernier, nommé Les Sables Oubliés, est d'ailleurs situé chronologiquement entre Les Sables du Temps et L'Âme du Guerrier. Du coup, si vous l'avez acheté, l'intérêt de cette trilogie est essentiellement historique, puisque ce volet intermédiaire reprend les mécaniques de jeu propres à la trilogie Ubi. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Les Sables du Temps, en revanche, ces remakes HD sont l'occasion de découvrir une bonne série, même si les modèles 3D restent anguleux et les animations sommaires comparées aux standards actuels. Plus joli, certes, que les jeux originaux, il reste néanmoins à des années-lumière d'un God of War 3, d'un Uncharted 2 ou encore d'Assassin's Creed Brotherhood, autant de titres qui mixent eux aussi plateforme, combat et puzzle. Bref, cette trilogie intéressera avant tout les fans qui souhaiteraient une bonne excuse pour refaire les jeux. Et ce n'est pas la gestion de la 3D stéréoscopique qui viendra changer quoi que ce soit à ce constat. En conclusion, on pourrait dire que la réédition HD n'est réellement intéressante que si les jeux remakés sont à la fois cultes et sans descendance digne de ce nom. Il est clair qu'il vaut mieux se payer le dernier Assassin's Creed, par exemple, que Prince of Persia Trilogy. Du coup, si on attend assez peu les Splinter Cell et autres Tomb Raider Trilogy HD, on meurt d'impatience de pouvoir rejouer à Ico, Shadow of the Colossus et Beyond Good and Evil, comme on avait adoré rejouer à Res HD. Alors voilà, moi je voulais frimer en annonçant le nom du réalisateur, mais... vu qu'on en est à la 20e prise, on a lâché l'affaire. Aujourd'hui, mercredi 12 janvier, sort Arrietty. Et forcément alors, dans Katsuka, on va avoir l'interview du réalisateur. Ah,
Salut et bonne année à tous! Aujourd'hui, Katsuka s'arrête sur la sortie d'Arrietty, le nouveau film du studio Ghibli, en vous proposant une interview du réalisateur Yonebayashi Hiromasa. Mais avant ça, les news! Dans le cadre de la sortie DVD américaine du film Machete de Robert Rodriguez, une marque de boisson a produit une publicité en stop motion qui résume le film de manière assez parodique. Comme ça va très vite et que ça spoil un peu, on vous le propose en VO. Enjoy! Well, let me see. At the beginning of Machete, Machete, me, my character, is hired to kill... I am Machete, a federale who sometimes needs to negotiate with one of these until this rich guy kills my family and I get hired to shoot a senator. But the guys who hired me shoot me instead. So at the hospital, I cut one open and escape like Rapunzel. Then I wash my hands and make love to a beautiful woman who runs a taco truck and a revolution. But a guy blows up her house while a sexy lady cop takes a shower. And I make love to the rich guy's women. Then I wash my hands. But they kill my brother the priest and shoot the taco truck lady. And we all meet at the compound to negotiate until the sexy lady cop and I make love on a bike and ride off into the sequel. Then I wash my hands. That's baby. En ce début d'année, j'avais envie d'évoquer certains films d'animation qui sortiront en 2011 et que je suis curieux de découvrir. C'est parti pour le zapping. Dans Rango, Johnny Depp prête sa voix à un caméléon, sorti le 23 mars. Titeuf, le film, oui oui, parce que ça a l'air bien mieux que la série, sorti le 6 avril. Winnie l'ourson, parce qu'il est quand même mignon, dans un nouveau film prévu le 13 avril. La Nuit des Enfants Rois, un film 3D français adaptant le livre de Bernard Lanteric, sorti le 25 mai. Le Chat du Rabbin, film de Johann Sfar adaptant sa propre BD, qui sortira finalement le 1er juin. Kung Fu Panda 2, parce que le 1 était quand même bien, sorti le 15 juin. Un Monstre à Paris, autre long métrage français en 3D qui s'annonce classieux, le 19 octobre, si tout va bien. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne, par Steven Spielberg et Peter Jackson, très attendu le 26 octobre. Arthur. Et enfin Mission Noël, nouveau film 3D des studios Hardman, le 14 décembre. Go away. Oui, moi aussi je m'aime. Ne poussez pas mademoiselle, il y en aura pour tous les... Le film est tiré d'un roman écrit dans les années 50 par Mary Norton et très apprécié au studio.
企画したのは宮崎駿さんなんですけれども、実はその40年以上前に宮崎さんと高畑さんで一度映像化しようというふうに思ったらしいんですけれども、さまざまな事情でそれは実現できなかった。でずっとそれで去られていたんですけれども、次の作品を何にしようかといった時にその急浮上してきたわけなんですよね。大量消費社会が崩壊しようとする今に、その上の住人のものを少しずつ借りてきて、生活しているという、そういうライフスタイルというものが現代のみんなに何かリンクするものがあるんじゃないかと。人間は危険なの、見つかったら引っ越さなきゃいけないってお父さんもお母さんも言ってるわ。家族がいるんだ。あなたにはいないの？僕ショウっていうんだ。君の名前は？アリエッティよ。Comme vous le savez peut-être, la musique d'Arietti a été composée par une Française. Une collaboration qui a débuté de manière plutôt insolite. J'ai eu ce geste un peu naïf de fan d'envoyer mon dernier album quand il est sorti en France, c'était début 2009, de l'envoyer mais comme un cadeau au studio Ghibli, pour, tout simplement pour les remercier pour leur film. À ce moment-là, il cherchait désespérément ce que pouvait être la musique du futur film et voilà, ça lui a plu. Et tout a commencé comme ça, par ce geste un peu fou que jamais j'avais fait, que je crois que je referai plus jamais, d'envoyer mon disque comme ça à l'aveuglette. Et après, quand j'ai écouté, la harpe de la neige est romantique et la voix est cute. C'est ce que j'ai pensé à la musique. の取材したいかをお願いするという経緯になります。そうもう本当に出会いですよね。Ça a été fusionnel parce qu'en fait il y a un an de travail, plus d'un an de travail, et quand moi je commençais à faire la musique, les studios étaient en plein dans la production du film, donc on a avancé tout en parallèle, et le réalisateur m'envoyait très régulièrement des petits poèmes en fait, en quelques lignes, en quelques mots, et il me décrivait des émotions, des sensations, des caractères, et je composais la musique sur ces poèmes, donc il y a eu cette fusion entre lui et moi, je pense.
24 juin 2010. Pour la première fois, le film est projeté devant toute l'équipe. On sait que Miyazaki Hayao n'avait pas été emballé par Les Contes de Terre et Mer, le film réalisé par son fils. La pression devait être énorme pour Yone Bayashi. ありがとうございました。でもね、予定上のね、300ぐらいのやつで。ああ、そうですか。本当に。しばらく休んだ。でもね、ようやく演出が出てきたって感じでしたよ、俺。びっくりした。で、よかったんですよ。泣いちゃった。 Arrietty est donc sorti en salle aujourd'hui et je vous rappelle également que la bande originale est disponible chez Wasabi Records. Wally Walou, à dans 15 jours! Et oui, je vous avais bien prévenu quand même, je vous avais dit qu'il y avait des chamboulements dans l'ordre des rubriques de 101%, et paf, on tombe en plein dessus. Là, on va regarder Tokyo Café, et bon, pour les fans de la Minute du Geek ou d'un des 6, ben, il faudra qu'ils regardent aussi demain, comme ils le font d'habitude, il n'y a pas de raison quand même, c'est pas parce qu'on chamboule tout qu'il faut s'arrêter de regarder non plus quand même. Hein. On ne s'arrête pas de regarder avant de traverser, et voilà, le Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! みんな私がどこにいるかわかりますか？実はですね、今日はなんとここをオープンした。ダザン。DDR、ゲームセンター？ここはですね、ナッションの近くにオープンした、アーケードストリートという新しいゲームセンターなんですけれども、あとちょっと今日風邪気味ですいません、後編ですが。C'est comment le game center? Eh ben, c'est génial, je pense que c'est une super initiative. Il y a du matos qu'on voit nulle part ailleurs. Il y a... Par exemple? Alors par exemple la bande Versus qui est là-haut sur laquelle il y a Street 4 qui est en train de tourner. Je sais pas si tu l'as vu mais elle est magnifique, elle est propre en plus sans rayures ni rien. C'est du beau matos, il y a même une bande DDR flambant neuve, enfin presque on va dire. C'est une vieille version qui a été optimisée avec une super récente version du jeu, donc c'est vachement bien. Il y a du cave en plus, des shoot cave en exploitation en France, c'est génial. Il y en avait eu une fois à Paris il y a très longtemps dans une autre salle d'arcade. Voilà, ESP Galuda 2 et Dodonpachi, hein, le classique. Voilà, il y a des oldies, il y a du récent. Après, il y a beaucoup de jeux de combat, forcément. Donc, bah, ça va faire plaisir à la communauté parisienne qui est quand même assez grosse. Là, Diego. C'est les bandes qu'on trouve dans les game centers japonais. Bah, quand on a l'habitude de jouer aux shootings qui sont exclusivement japonais, on est en terrain inconnu. Enfin, on sait ce qu'on fait, c'est comme au Japon. En plus, là, le matériel est assez bon. Enfin, les joysticks ont l'air pas trop usés, comme dans la plupart des game centers français que j'ai connus par le passé. Donc, c'est agréable. Voilà. Et les écrans sont bons, enfin, ça va. Chotto, yasui! え、安くない？日本の値段の半分。え、びっくり、日本よりも高いんだと思った。え、すごいびっくりした。今地下にいたんですけれども、これから1階に行ってみたいと思います。なんかトンネルを抜けると、うわ、人いっぱいです。
これあれか日本と同じで対戦できるんじゃない同じシステムで日本はゲームセンターで知らない人と戦って自分のどこがどこまで強いかっていう試すことができるんですよで私これフランスで見たことないんだけどほら反対側にいる人と戦えちゃうのでこれ負けると席を譲らなきゃいけなくてまた次の人が来るのねで誰と戦ってるかっていうのはよく分かんないわけよで見たら子供に負けたとかねそれではお店のダミアンさんとアナトールさんにお話を聞きたいと思いますVotre rêve de faire soldat arcade Oui, alors après, le rêve, depuis que je suis petit, on va pas dire que c'était vraiment mon rêve, mais par contre, c'est vrai que l'arcade, dès que j'y ai pris goût, dès que j'ai touché, là, ça a été une drogue, c'est vrai que l'arcade, c'est magique. Pourquoi il y a des bornes japonaises ? Pourquoi les bornes japonaises ? Parce qu'on trouve qu'en fait, elles sont de meilleure qualité en termes de bornes HD. Il faut savoir qu'au Japon, ça continue à évoluer, l'arcade. Qu'en France, c'est vrai que c'est un peu resté en retrait. Quelle borne votre préférée ? Ouais, la New Versus City avec Street Fighter 3 Counter Strike dessus, c'est la préférée, c'est le coup de cœur. Le petit coup de cœur de la salle, exactement. Ouais. Après, sinon, il y a Super Street Fighter 4 Arcade Edition, ça c'est vrai qu'il est super, vraiment nickel. まさかの最後で負けちゃった。ルムネ、カップね。ファイナルラウンド、ファイナルラウンド。J'espère que vous non plus, mes bien chers geeks et mes bien chers geekettes, vous n'êtes pas trop chamboulés par tous ces chamboulements qui nous chamboulent tous. Ça fait beaucoup de chamboulements quand même, mais c'est très chamboulatoire. Donc, pour pas chambouler quand même les bonnes habitudes, il me reste plus qu'à vous faire des gros bisous et beaucoup de courage à Pili quand même, parce que pour lui aussi, l'ordre des rubriques va changer. Pour Davy, non, lui c'est un professionnel, donc il s'en sortira très bien.